amis, c'est Mio de Game Villain, j'espère que vous allez bien. Très bonne surprise de la part d'Activision hier avec l'annonce imminente et la sortie de Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Cette version est remasterisée par Binox sur PS4 et devrait sortir normalement à la fin du mois sur PC et Xbox. Et je dois dire que ça fait vraiment plaisir de reparcourir cette campagne qui reste une de mes préférées de Call of. Plus que MW3 et on aura la trilogie complète Remastered. Allez, fini la parole, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous! C'est le bleu, chef. Soup ? C'est quoi ce nom à la con ? Nicolas est dans la merde, et on va l'en tirer. On ne laisse pas tomber nos amis. Allons-y. Sakaïf. Imran Sakaïf. Mon sang. Sur leurs mains. Delta 1 à X-ray, on a un missile lancé. Je répète, on a un missile lancé. Plus les choses changent, moins elles évoluent. Les frontières bougent, de nouveaux acteurs apparaissent, mais le pouvoir se trouve toujours un maître. Nous avons combattu et souffert aux côtés des Russes. Nous aurions dû savoir qui nous haïrait pour ça. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et je pensais que nous avions gagné. Mais quand on abat un ennemi, un autre, pire encore, vient le remplacer. Les lieux changent, comme les raisons et les objectifs. Les ennemis d'autrefois deviennent nos alliés. On les forme pour lutter à nos côtés en espérant qu'ils ne se retourneront pas contre nous. Un autre jour, mais toujours la même merde. Vous savez ce que je cherche, sergent Follet. Ouvrez bien l'œil. Un nouveau groupe passe dans la fosse aujourd'hui. Je vous enverrai le meilleur. Bienvenue au royaume de la gâchette. Le soldat Allen va vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment ça marche. Vous fâchez pas. Mais j'en vois plein qui tirent à la volée et arrosent tout le champ de tir. C'est le meilleur moyen de pas toucher sa cible et de passer pour un crétin. Soldat Allen, montrez-leur ce que je veux dire. Prenez cette arme sur la table et tirez sur les cibles derrière vous. Retournez-vous et visez les cibles. C'est comme ça qu'il faut faire. Le but, c'est d'abattre les cibles rapidement et efficacement. Et si votre cible se cache derrière un abri léger, sachez que certaines armes peuvent malgré tout la toucher. Le soldat va vous faire une démonstration.
Enfin, il est essentiel de savoir lancer une grenade. Soldat Allen, prenez des grenades à fragmentation sur la table. Lancez une grenade dans le champ de tir pour abattre plusieurs cibles d'un coup. Bien. Les grenades roulent si le sol est en pente. Alors réfléchissez à deux fois avant d'en lancer une si c'est le cas. Parfait. Merci pour votre aide, soldat Allen. Maintenant, rejoignez la fosse. Le général Shepard veut vous voir sur le parcours. Alors, qui veut passer le premier? Montrez-moi ce que vous avez appris. J'en ai même cinq. Fais-toi plaisir. Si tu veux vivre, faut faire comme... Bonjour, soldat. Bienvenue dans la fosse. Il paraît que le général Shepard veut confier une mission spéciale à notre unité. Il est venu en observation. Ok, prenez votre arme de poing. Souriez pour les caméras et visez juste. Shepard vous observe. Le meilleur tireur rejoindra l'escadron d'élite. Si ça vous intéresse. Bon, allez-y. Le chrono démarre dès que la première cible apparaît. Très bien. À tous les hunters, rejoignez votre groupe. On s'en va. On s'en va! Notre armée est la plus puissante de toute l'histoire de l'humanité. Chaque combat est le nôtre. Parce que ce qui se passe ici a de l'importance là-bas. Nous ne pouvons pas rester spectateurs. La maîtrise des outils de la guerre moderne est ce qui permettra à votre peuple de se développer au lieu d'être anéanti. Nous ne pouvons vous offrir la liberté, mais nous pouvons vous apprendre à la conquérir. Et ça, mes amis, a plus de valeur qu'une armée entière de blindés. Bien sûr, la taille de l'arme a de l'importance, mais ce qui compte le plus, c'est la personne qui l'utilise. C'est l'heure des héros. L'heure de faire la légende. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mettons-nous au travail. Celui de gauche ou celui de droite?
celui de gauche. Hey, ils sont pas un peu trop près, les mecs, là? Depuis quand Shepard se préoccupe de ça? Hunter 2, je me détache. Bien reçu, Hunter 2. À tous les Hunter 2, faites gaffe avec les civils. On attaque que s'ils nous tirent dessus. Cherchez l'ennemi sur les toits. Restez concentrés. Tu vois quelque chose? Rien du tout. C'est mort par ici. Waouh. Overlord, ici Hunter 2-1. On passe le tunnel Harvey et la rue Elisabeth. Bien reçu, Hunter 2-1. Soyez prudents. Gaffe à vous, les gars. C'est le Far West, ici. Compris. Surveillez les ruelles. On les couvre. Trois ennemis sur le balcon à 12h. Sûrement la milice. Ils sont armés? Négatif. Ils observent. C'est tout. Paris qui nous espionne. Ça veut pas dire qu'on peut les buter. Vous les voyez? Je vois rien du tout! À tous les hunters, ici le sergent Follet. Préparez-vous à l'attaque. Il y a des tireurs embusqués. On va se les faire. On a plein de contacts, devant et derrière. Soldat Allen, c'est à moi que vous répondrez dorénavant. Vous brieferez dans l'hélico. En route. Bataillon en mouvement. J'ai l'air de quoi? De l'un de nos ennemis. C'est parfait pour votre mission d'infiltration.
Alors c'est Makarov, la récompense ? Une récompense ? Non. Makarov est une putain qui se vend au plus offrant. N'oubliez pas votre nouvelle identité, ça peut vous sauver la vie. Bienvenue dans la 141, le meilleur groupe de combattants de la planète. C'est un honneur, monsieur. Quand vais-je rencontrer le reste de l'équipe ? Ils sont en mission pour récupérer un ACS derrière les lignes ennemies. Ils ont dû se mouiller ? Ils sont sûrement en train de se les geler en ce moment. Reste là et regarde-moi. Attends mon signal. C'est bon, la glace tient. Suis-moi. Bonne chance, mec. On se retrouve de l'autre côté. Je t'attends derrière les hangars, au sud-ouest de la piste.
Tu visitais le coin ou quoi? Allons-y. Il faut qu'on se tire d'ici! Kilo 6-1, le point d'extraction prévu est compromis. On rejoint la tête à secours avec des véhicules ennemis. On se retrouve là-bas, terminé. Bravo 6, ici Kilo 6-1, bien reçu, terminé. On a la tour qu'on fait! Tâche de l'esprit! Allez, allez! De la Task Force 141 a apporté la CS à l'Aisne. Deux hommes ont éliminé toute une base. Je vais vous demander encore plus. Hier, vous étiez un soldat sur le front. Mais aujourd'hui, le front, c'est du passé. Les uniformes aussi. La guerre se joue partout. Et il y aura des victimes. Makarov combat pour lui-même. Il n'obéit à aucune loi. Il n'a pas de limite, ne recule devant rien, torture, trafic humain ou génocide.
Il n'est guidé par aucun idéal et ne respecte aucun drapeau, aucun pays. Il échange le sang contre de l'argent. C'est votre nouvel ami. Je ne vous dirai pas ce que ça a coûté de vous faire venir près de lui. Ça vous coûtera une part de vous. Ce qui n'est rien en comparaison de tout ce que vous sauverez. Armez vos munitions. Ça fait longtemps que j'attends ça. Comme nous tous. Террористы могут пройти через подземный туннель. Прием. Le FSB, descendez-les.
Les Russes vont sûrement pas fermer les yeux sur ce massacre. Ça va pas être beau. C'est vrai. Mais aux yeux du monde, ce sont eux les victimes. Personne lèvera le petit doigt quand les Russes se mettront à abattre les Américains. Makarov avait un temps d'avance. Il a laissé des milliers de cadavres aux pieds des Américains. Nous seuls savons que c'était Makarov. Notre crédibilité s'est envolée avec Allen. Il nous faut des preuves. Suivez l'obus. Allez rendre Auroras. Jamais entendu parler. Vous le connaissez, c'est Alex le Rouge. Il a organisé l'assaut. Une balle pour déclencher la colère de toute une nation. Ce qui veut dire... qu'il nous mènera à Makarov. Ghost, les plaques correspondent. Bien sûr. Aucun signe du bras droit de Rojas. Négatif. Ils se sont déjà arrêtés deux fois. Aucun signe de lui. Attends, il s'arrête encore. Quitte pas. Je l'ai identifié. Je sais pas qui sont ces types, mais ils sont pas contents de le voir. Ghost, je crois qu'on a un problème. Baisse-toi, baisse-toi! Je fais la balle! Roche, on fonce! Ghost, le chauffeur est mort. On est à Pince. Retrouve-nous à l'hôtel Rio et tâche de lui couper la route. Compris, j'y vais. On le veut vivant! Roach, tire-lui dessus! Vise les jambes! Il est touché. Roach, ça va prendre un peu de temps. Va avec Miteroy fouiller la favela pour retrouver Rojas. C'est par là qu'il est allé. On y va. N'oubliez pas qu'il y a des civils dans la favela. Alors regardez autour de vous avant de tirer. Meat, sors ces civils de là. Compris. Attention, on a engagé la milice ennemie, en bas du village. Roach, tu es avec moi. Surveille les toits, vas-y. Roach, on sait où est Rojas. Il se dirige vers l'ouest, vers le haut de la favela. On va l'empêcher de revenir sur ses pas. Continue et coupe-lui la route. Trop tard pour les renforts. Il va falloir te débrouiller tout seul. Bonne chance, terminé. On a récupéré le colis. Je répète, on a récupéré le colis. QG, on est prêt à évacuer. Envoyez l'hélico. Nos coordonnées sont... Bordel, le ciel est dégagé. Envoyez l'hélico. Vite! Le QG est complètement à la ramasse. On va devoir se démerder. Sand Bravo, on capte 70 échos dans votre secteur. Veuillez vérifier. Très drôle, station. C'est négatif. Terminé. C'est sûrement un module ACS qui déconne, chef. Sand Bravo, ouvrez l'œil. Je vais lancer un diagnostic du matériel. Le ciel est dégagé, station. Il doit s'agir d'échos fantômes. Terminé. Zulu X-Ray 6, on capte une centaine d'échos dans votre secteur. À vous. Négatif, station. Rien au radar.
Je sais pas quoi vous dire. Des interférences solaires? Ça tape dur aujourd'hui. Sierra Delta, c'est peut-être l'ACS qui débloque, mais vous avez quelque chose de votre côté? À vous. Sierra Delta, répétez. Il y a des chasseurs au-dessus de l'I-95. Comment ils ont fait pour passer? Attendez, je tente de contacter l'unité la plus proche dans le secteur. Je vous reçois. Premier bataillon du 75e régiment. Sergent Follet, unité Hunter 2-1. Est-ce que vous me recevez? À tout le personnel, la surveillance satellitaire est interrompue. Les systèmes SOSUS et PAVCO sont actuellement en service. Se dirige vers votre position, mais font face à une forte résistance. Terminé. Bien reçu, Overlord. Attention, on est tombé sur un blindé ennemi et on est à pied. Terminé. Ici Overlord, bien reçu. Bonne chance. Terminé. Les parois sont presque blindées. Comment va-t-il? Il est toujours inconscient. Vous avez un médecin? Caporal Zen, allez voir. Quoi d'autre? Il y a du matériel sur le toit, avec une tourelle automatique M5. Ramirez, va jeter un coup d'œil à ce matériel sur le toit. Action, ici Hunter 2-1. Utilisez vos lunettes thermiques si vous en avez. Attention, plus de 20 soldats arrivent par le sud. Ils sont sur le toit derrière nous. Écoutez-moi tous! Nouveau plan! Ramirez,
Va sécuriser le Burger Town avec ton unité. On va y emmener Raptor. Cet endroit n'est plus sûr. Écoutez-moi tous. Il faut déplacer Raptor au plus vite. Postez-vous à l'entrée sud du restaurant Nest. Il faut dégager de ce bâtiment avant que le bombardier ne fasse un autre passage. Ont dû copier le contenu de la CS. Ils ont la clé de tous les coffres en Amérique. Et ils ripostent pour chaque civil tué à Moscou. Je crois que nous n'avons plus d'amis. Je connais quelqu'un. Trouvons une cabine téléphonique, si ça existe encore. Tout ce qu'on a pu tirer de Rojas, c'est que le seul type que Makarov ait plus que les Américains est bouclé dans un goulag. Mettons le paquet. Si ce tolard est lapin pour attraper le psychopathe, pendons-le à un arbre. Ils doivent être 200, devant et derrière nous. On va devoir batailler pour arriver à la ZA. En route. Et Rojas. La rue s'occupera de lui. Ça me va. Nikolai, on est en haut de la favela et cerné par la police. Ramène l'hélico au marché. Tu me reçois? Ok, mon ami. J'arrive. Tout le monde se tient prêt. On y va!
On sera là dans 20 secondes. On évacue immédiatement. Ça risque d'être trop long. Je vois notre miliciel qui approche du marché. On s'arrête pas, allez! Ça change pas! Éteignez-moi cette télé de malheur. Ma force d'intervention est à l'étranger. Je commanderai votre unité, sergent Follet. Bien, monsieur. À vos ordres. J'ai réquisitionné un Striker de la 8e blindée. Honey Badger est un coriace, général. Il vous ouvrira la route. Les Russes bousillent nos défenses et nos renseignements. Ils ne doivent pas prendre ce coin. Montrez-le-moi sur la carte, monsieur. Ils ne le prendront pas. Brookmer Road. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on cherche exactement?
Sergent Follet, ici le général Shepard. Votre objectif est d'extraire une personne très importante d'une salle sécurisée au premier étage de cette maison. Bien, mon général. Elle vous attendra. Nom de code, Picaglas. Mot de passe, Phoenix. Sortez-la de là et prévenez Overlord. Shepard, terminé. Picaglas! Hey! Ya Pikachu ich Snikera! Picaglas! Y a un truc qui clash. Va voir dans la salle sécurisée. Allez! Aucune trace d'effraction. Ramirez, prends la mallette! Enfin, ce qu'il en reste. Père Jean, regardez ces tatouages. C'est pas apparat ordinaire, hein? Ouais. Faites quelques photos pour le G2, et fouillez les corps, on cherche des infos. Ok. Shepard ne va pas aimer ça. Votre type est mort. Je crois qu'on va dans la mauvaise direction, Général. On devrait pas retourner vers les combats. Il y a des combats partout, MacTavish. Content que vous vous en soyez tiré en Amérique du Sud. Vous rejoignez la 6e flotte. Elle va mener la contre-attaque. Le prisonnier 627. Nous pensons que c'est lui que Makarov veut. Mais impossible de l'atteindre. Des plateformes pétrolières? Les Russes les utilisent comme sites de missiles. Les ouvriers servent de boucliers humains, alors on ne peut pas simplement tout faire sauter. Et celle-ci est la moins bien défendue. Messieurs, je sais que je vous envoie à l'abattoir aujourd'hui. Ils la défendent, alors nous devons la prendre. Surtout si ça nous conduit au prisonnier 627. Эту дрань. Лекки я посадишь. Подали. Эх, вижу морской воздух. Я
secteur 1 Alpha. On passe au secteur 2. Bien reçu, Hôtel 6. On continue, les gars. Préparez vos armes. Allez, ennemi en visuel près de la rambarde. Engagement autorisé, mais uniquement au silencieux. On est bon. Il y a des otages civils sur votre position. Attention où vous tirez. Bien sûr. Groupe 1, prêt à entrer. En sécurité dans le secteur 2 Echo. Bien reçu, Hôtel 6. Le groupe 2 va sécuriser et évacuer. Fouillez le pont supérieur. Ok, on monte. Contrôle, on avance vers le pont 2. Un hélico ennemi patrouille dans le périmètre. Vous faites pas remarquer, Hôtel 6. Bien sûr. Un hélico ennemi, faut pas qu'il nous voit. Ok, en avant. Hôtel 6, il y a d'autres otages sur votre position. Bien sûr. Ouais. RAS, contrôle. Les otages du pont 2 sont en sécurité. Groupe 5, прием. Ответьте базе. Мать, ты там? Ответь базе. Мы слаем группу вниз. La radio ennemie. Je crois qu'on va avoir de la compagnie. On passe au plan B. Là, c'est du C4 sur les corps. Allez! Le C4 est en place. Trouvez une position élevée. On va les surprendre quand ils trouveront les corps. Voilà la patrouille. Attendez qu'ils approchent avant de tirer. Attendez. Attendez. Plan B, allez-y. Rouge, contrôle, ici Hôtel 6. Je crois qu'on est grillé. Bien reçu. On sait qu'il y a des otages et peut-être des explosifs au pont supérieur. Votre groupe doit sécuriser les lieux avant qu'on puisse envoyer du renfort pour s'occuper des sites de missiles à vous. Parfait. Je demande une extraction sur la ZA Bravo. Hôtel 6, les otages des ponts inférieurs sont évacués par le groupe 2. Foncez au pont supérieur pour protéger les autres, à vous. Merci, on y travaille. Terminé. Un hélico ennemi, mettez-vous. Roach, joli tir, Roach. Bien sûr. On va atteindre le pont supérieur et protéger les derniers otages avant l'arrivée des marines. L'ennemi lâche de la fumée. À tous les groupes, ces types sont bien équipés. Ils ont des capteurs thermiques pour nous repérer dans la fumée. Sont en sécurité. Je répète, otages en sécurité. On rejoint la ZA Bravo. À vous. Beau travail, Hôtel 6. Les marines arrivent pour démanteler les sites de missiles. Préparez votre groupe pour la phase 2 de l'opération. Terminé. Hunter 2-2, ici Punisher. Plateforme sécurisée. Les équipes de démantèlement peuvent se poser. Entendu, Punisher. Hunter 2-2, bien reçu. Punisher, ici Phoenix 1-1, formation de 2F15 en route vers coordonnées 257221 pour mission de SDAE. Quelle est la situation à vous? Phoenix 1-1, ici Punisher, ciel bleu, je répète, ciel bleu. Venez au camp 240 et continuez vers la zone ciblée. Bonne chasse, à vous. Punisher appelle tous les vols proches des coordonnées 255202. L'espace aérien est sécurisé, je répète, l'espace aérien sécurisé.
continuez vers la zone ciblée, plan de vol devant vous deux. Finisher, ici Hunter. Hunter 2-2 va sécuriser le site de missile au sud-ouest du pont principal. Hunter 2-3 avance vers le bâtiment du Derrick pour désamorcer les explosifs. Finisher à tous les groupes d'assaut. Les... La sixième flotte fait le ménage. Il est temps d'y aller. Ce bâtiment a une longue histoire, et elle est peu reluisante. C'était un château au départ, avec un vrai donjon, bâti pour résister au siège. Le bâtiment a résisté aux hivers rigoureux. Ses occupants ont eu moins de chance. Le monastère n'a pas résisté aux purges. Au siècle dernier, il a accueilli tous ceux que le gouvernement voulait écarter, mais ne pouvait pas tuer. Cet endroit est rempli de victimes vivantes de la dernière guerre. Une guerre que je pensais gagner. Et il faut croire que c'est comme aux courses. On mise sur le mauvais cheval et on se retrouve ici. Le prisonnier 627 est la souris que chasse Makarov. Nous allons le libérer et l'utiliser comme appât. 30 secondes. Hornet 2A, ici Jester 1A. Formation de 2 F-cases, 4 armes pour la section. En attente pour SDAE, terminé. Merci Jester, occupez-vous d'eux. Cible verrouillée, Fox 3, Fox 3. Dans le mille. Hornet 2A, la voie est libre. Bonne chance, terminé. Ici Hornet 2, bien reçu. Ici 2-2, bien reçu. Chercher le prisonnier. Ça va prendre un peu de temps. Bien reçu. Roach, on s'occupe des cellules. Suis-moi. Tu vois quelque chose?
Mauvaise nouvelle. J'ai trois, non, quatre sections ennemies convergeant vers votre position. Je les entends. Allons-y, on est trop exposés. Ghost, ouvre la porte! Bordel, ils l'ont isolé du système principal. Je vais devoir la court-circuiter. Trop tard, ils sont sur nous! Prends un bouclier anti-émeute ou ça va être notre fête! Hold, prends ces boucliers anti-émeute!
On va bouger. Bien sûr, chef d'unité 2 intermédiaire. Écoutez, l'ennemi a seul ce site d'évacuation. Il faut qu'on gagne du temps, compris? Compris. Vous risquez de vous faire laminer. Bien sûr. On monte sur le toit. En avant, tout le monde.
J'ai une grosse fuite dans le circuit hydraulique. On va avoir du mal à rejoindre la route de ravitaillement. Reposez, je dois... Overworld, on a rejoint les cibles sur le toit et on s'en va. J'ai une question. Est-ce que le site du Washington Monument a été évacué? À vous. Hunter, ici Tiger 2-1. Nous sommes en position sur le toit. Votre situation? Négatif 2-1. Ils sont toujours coincés par l'infanterie et les blindés légers du mémorial de la Seconde Guerre mondiale. À vous. Bien reçu, Overworld. On va faire ce qu'on peut depuis les airs. Terminé. La première vague de transport civil est en route. River 2, procédez à la deuxième phase de l'évacuation. Ne prenez que le personnel prioritaire. Tiger 2, un missile solaire. Vire à gauche, vire à gauche. Overworld, Tiger 2-2 est touché, il va s'écraser. Lance-roquette au mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Appuyez sur la gâchette jusqu'à ce qu'il ne se relève plus. Atlas 2-3, 2-4 et 2-5 sont en route. Unité au sol sur la ZA-4. Repliez-vous. Un hélicoptère est décollé à 12h près du mémorial. Ici Atlas 2-5 sur la ZA-1. Mes moteurs sont à 30%. Je ne peux pas charger plus de passagers. Il va falloir en abandonner ici. Tiger 2, le Washington Monument se fait attaquer depuis la route principale. Overlord à toutes les unités. Ordre d'évacuation direct. Je répète. Ordre d'évacuation direct. Dégagez tous de là en vitesse. Faites monter vos hommes à bord du transport. On s'en va. Est presque établi. Général Shepard, vous êtes en liaison avec le capitaine Price. Vous en êtes sorti, capitaine. Je sais pas si c'est une bonne chose. J'ai l'impression que c'est pire là où je suis maintenant. On pensait avoir récupéré la CS avant que les Russes puissent le pirater. On se trompait. Ensuite, Makarov a fait des USA le bouc émissaire. Et juste après, ça s'est mis à brûler partout. C'est quoi cette image que vous m'envoyez ? Pour éteindre du pétrole en feu, il faut déclencher une explosion plus forte à proximité. Ça absorbe l'oxygène, et ça éteint les flammes. Vous êtes resté enfermé trop longtemps, Price. Je vous conseille de reprendre vos esprits. Shepard, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour gagner ? Toujours. On a un putain d'incendie sur les bras. Il va falloir une énorme explosion. Vous avez passé trop de temps au goulag, Price. Concentrez-vous sur l'élimination de Makarov. Pas le temps, monsieur. Il faut mettre fin à cette guerre aujourd'hui. Ce n'est pas une demande, Price. C'est un ordre. Vous allez... On dirait qu'on a perdu la liaison. Price, j'ai du mal à voir le parachute de Roach avec le satellite. Il y a trop d'interférences. Vous le voyez ? À vous. Bien reçu, Soap. J'ai trouvé Roach. Je crois qu'il est sain et sauf. On part au nord-ouest, vers la base de sous-marin. Bien reçu. Le reste du groupe s'est posé près de Ghost, assez loin à l'est. Dis-leur de continuer la mission. On se regroupera si possible. Roach, suis-moi et ne te fais pas repérer. Contact, patrouille ennemie à 30 mètres devant nous. 5 hommes, fusil automatique, grenade à fragmentation, un berger allemand.
un chien. Je déteste les chiens. Ces chiens russes sont des châteaux comparés à ceux de Pripyat. C'est bon de vous retrouver, capitaine. Merci. On va les suivre en silence et abattre les traînards. Sans que nos infos étaient fausses, les Russes ont des missiles solaires mobiles. Bien sûr. Vous nous avez trouvé un moyen de transport ? J'y travaille. Terminé. On approche, attention ! Leurs véhicules ne peuvent pas nous suivre. Grosse patrouille à 12 heures. Prends une arme à silencieux, il faut qu'on les abatte en même temps. Prends les deux qui sont à droite. Où en est notre appui aérien ? Un drone Predator armé de missiles air-sol se dirige vers votre position. Merci. Cette corniche est parfaite. Roach, prends le contrôle du drone Predator. Fais chier ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un site de missiles solaires mobiles dans le village. Ils ont battu notre Predator. Soap, on a besoin d'un autre Predator. Roach, ils savent qu'on est là. Tu devrais peut-être changer d'arme. Merci, mais on ferait mieux de bouger. Les explosions vont attirer l'attention. Soap, on a établi la liaison avec Ghost et le reste du groupe. Bien sûr. Le deuxième Predator est presque en position. Faites-en bon usage. Ça pousse pas sur les arbres, ces trucs-là. Voilà le sous-marin, juste au-dessous de cette crue. Roach, affaiblis leur défense avec le drone. Attention, Stroboscope, c'est nous. Attirez leur attention. Toute la base est en alerte. Faut agir très vite. Le sous-marin va plonger dans quelques minutes. On y va. Missile Predator activé. Il faut qu'on atteigne le poste de garde de la porte ouest pour que Norris suive moi. Missile Predator activé. Je répète, missile Predator activé. Destruction de plusieurs cibles confirmées. Bon travail.
Messieurs, la trajectoire du missile indique qu'il va frapper la côte est. On va perdre la Maison Blanche. On l'a déjà reconstruite. On la reconstruira. Les victimes ? Entre 30 000 et 50 000. Ça dépend du lieu exact de l'explosion. Presque tous les systèmes sont HS. Général Shepard, vous nous aviez prévenus. Nous aurions dû vous écouter. Dans l'histoire qui va s'écrire, nous ne serons pas ceux qui sont restés immobiles pendant que les États-Unis périssaient. Un seul homme est responsable de tout ça. Makarov doit être démasqué. Faites ce qu'il faut, Général. Vous avez carte blanche. Les images de SAT-1 sont nettes. SAT-1, continuez à suivre l'ennemi. On va étudier ça. Restez en attente. Houston, aucun lancement de satellite n'est prévu aujourd'hui. À vous. SSI, ici Houston. Ne quittez pas. Je crois qu'on a un problème. Houston, ici contrôle. C'est fini. Venez, on a une guerre à terminer. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout est si calme. Eh mais, mon laser ne marche plus. Pareil pour le mien. C'est bizarre. Les systèmes optiques et les communications sont HS. Waouh. Y a pas de lumière dans les rues.
va se regrouper avec ceux qui restent. Caporal Dunn, passez devant. Voilà l'Eisenhower Building. Le Whiskey Hotel est de notre côté. Oh, il faut qu'on aille là-bas. Je sais pas ce qui est pire. Éviter les hélicoptères qui tombent du ciel, ou me les geler sous ce déluge. Waouh. Cessez le feu. Chut. Je crois que je vois quelque chose. Je ne sais pas. Star! Couvrez-moi. Star! Dites Texas, bon sang. Dites-le. Position. Regardez le cachet sur cette porte. Pourtant, le bunker du président est dans l'aile ouest, non? Ça, c'est pour les touristes. Ça doit être le vrai bunker. Ouvrez. Ou pas, il n'y a plus rien. J'espère qu'ils ont pu s'échapper.
bas. Vite. 30 secondes. Il faut qu'on monte sur le toit. Allez, allez. Utilise tes fusées. Contre-signal repéré à Whiskey Hotel. On annule, on annule. Contre-signal en visuel. Mission annulée. J'annule le largage des bombes. Alors, je dégage. Quand est-ce qu'on part pour Moscou? Le plus vite possible, j'espère. Et je sais qu'une fois là-bas, on va mettre le feu. Wow. L'heure viendra, Caporal. Chaque chose en son temps. La semaine fut rude, messieurs. Des pertes au-delà de nos pires estimations. Nous nous en remettrons. J'ai carte blanche et je vais mettre tout, je dis bien tout en œuvre pour abattre Makarov. Quoi qu'en dise le monde, nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne tuons pas les civils. Notre arme, c'est la précision. Un individu malfaisant se tapit dans l'ombre et nous allons le faire sortir en pleine lumière. Quand il sera démasqué, nous écrirons l'histoire, messieurs. Voici les derniers refuges de Makarov et de ses hommes sur cette planète. Va falloir être dans deux endroits en même temps. Impossible. On a une chance sur deux de tuer Makarov, hein? Price, je demande l'autorisation de prendre la planque avec Roach. Accordé. Je vais prendre le cimetière en Afghanistan avec Soap. Très bien. On va leur couper toute voie d'issue. Il faut en finir. Bizarre. J'aurais juré qu'on avait mis fin à cette guerre hier. Sniper en position. Groupe d'assaut, allez-y. Attaquez Makarov à vue. Bien reçu. Bien reçu. On y va. Allez. Signe de Makarov. Je répète, aucun signe de Makarov. Captain Price, vous avez eu plus de chance en Afghanistan? Oh oui. Au moins 50 mercenaires, mais aucune trace de Makarov. Nos infos devaient être éventées. Ça va changer. Nos infos seront meilleures. Cette planque est une véritable mine d'or. Bien reçu. Ghost, vos hommes doivent récupérer un maximum d'éléments. Des noms, des contacts, des adresses. On s'en occupe déjà, Général. Makarov pourra plus planquer.
C'est le but recherché. J'envoie la force d'extraction. Elle sera là dans 5 minutes. Récupérez ses infos. Shepard, terminé. Roach, mets-toi sur l'ordinateur de Makarov et commence le transfert. Ozone, restez en arrière-garde. Je couvre devant. Allez. J'y vais. Force d'intervention ici, Price. D'autres hommes de Makarov viennent d'arriver au cimetière. Soap, couvre-moi. Je vais me faire le type là-bas. Et j'écouterai leur transmission avec sa radio. Ghost, on va rester silencieux quelques minutes. Bonne chance en Russie. Price, terminé. Ennemi neutralisé. Rochus 5 sur 5, lance-roquette en approche à l'ouest. J'ai touché. Scarecrow est mort. Je répète, Scarecrow est mort. Roche, le transfert est fini. Je vais couvrir l'approche principale. Prends le MSD, vas-y. Hélicoptère d'assaut rapide en approche au nord-ouest. Les snipés. Bien sûr, hélico ennemi en approche au nord-ouest. Ici Shepard. Nous sommes presque à la ZEDA. Votre situation, à vous. On est en route pour la ZEDA. Roach, on y va. Quelqu'un me reçoit ? Ils sont morts, Saw. Shepard fait son nettoyage. Je suis en train de revenir vers toi. Shepard nous a trahis. Il faut avoir fait confiance pour être trahi. Ça n'a jamais été mon cas. Nikolai, vous avez notre position. Da, j'arrive, Price. Mais je suis pas tout seul. Il y a les hommes de Shepard d'un côté, ceux de Makarov de l'autre. Alors on va tous les exterminer. Ou bien vous les laissez s'entretuer. Dans les deux cas, on se revoit de l'autre côté, mon ami. Ah !
Shepard essaie de nous avoir en même temps que Makarov. Fonce vers le point de ralliement, bravo, à l'ouest. Ne te fie à personne. Rejoins le point de ralliement, allez, fonce. Nikolai, ici Price. Attention, la ZAA est chaude, je répète, la ZAA est chaude. Ok, Capitaine Price, je suis en route. Essayez de contrôler la situation avant que j'arrive, d'accord? C'est ça, Nikolai, j'y penserai, mais rappliquez ici en vitesse. Sauf, laisse les hommes de Makarov et de Shepard s'entretuer autant que tu peux. Makarov, c'est Price. Shepard est un héros de guerre maintenant. Il connaît le détail de vos opérations. Il a carte blanche. Donnez-moi ce que vous avez sur Shepard, et je m'occuperai du reste. Je sais que vous me recevez sur ce canal, Makarov. Nous savons tous les deux que vous ne tiendrez pas une semaine. Vous non plus. Makarov, vous connaissez le vieux dicton. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Price, un jour vous comprendrez que c'est un double sens. Shepard utilise le site Hôtel Bravo. Vous savez où c'est. On se reverra en enfer. J'en prépigne déjà d'impatience. Saluez Zakaï de ma part si vous y arrivez avant moi. Sauve, ne te fais pas piéger. Continue vers l'ouest, vers la piste. Nikolai, vous êtes où? Il y a des tempêtes de sable à Kandahar, Capitaine Price. Faut que je les contourne. On ne paye pas assez pour que je crache mon zinc. J'approche du cimetière. Je vois que vous ne contrôlez pas la situation. Un atterrissage serait dangereux. Ça me rappelle quand j'étais en Afghanistan avec les Soviets. Nikolai, fermez-la et posez-vous. On arrive. Oh, Dieu. Dimni, Yamon. Qu'un pistolet mitrailleur. Ils en ont des centaines. On ne sait même pas ce que valent les infos de Makarov. Price. Price. L'être humain ordinaire ne se réveille pas le matin en pensant que c'est son dernier jour sur Terre. Mais je crois que c'est un luxe, pas une malédiction. Savoir qu'on est proche de la fin, c'est une forme de liberté. C'est le moment de faire l'inventaire. Moins d'armes, moins d'hommes. Une vraie folie, une mission suicide, mais ce sable et ces rochers souillés par mille années de guerre. Ils se souviendront de nous, pour ça. Parce que, de tous les cauchemars que nous connaissons,
C'est celui que nous avons choisi. Nous avançons tel un souffle exhalé de la terre. La rage au cœur est dans un but unique. Nous allons le tuer. Rendez-vous au nid. Préparez-vous à escorter Gold Eagle jusqu'à la ZA.
Gold Eagle, c'est sûrement Shepard. Le temps presse, on y va! Ils ont Stardust! Chargez les KCW et visez la tête! Ils ont des boucliers! Grenade, chalet! Oxide, ici Butcher 5. J'ai une mèche de détonateur coupée. On va avoir besoin de 10 minutes pour bricoler ça et armer le détonateur. À vous! Négatif. Gold Eagle veut que les charges explosent dans moins de 3 minutes. Débrouillez-vous. Terminé. Ils ont bouclé la salle de contrôle. De l'explosif sur la porte, allez! Ouvrez l'œil. Allez, c'est pro. Zodiac, il doit y avoir une rivière dans le coin, on y va! Notez bien ce que j'ai dit. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. L'histoire est pleine de menteurs. S'il survit et que nous mourons, sa vérité sera écrite, et la nôtre perdue. Shepard sera un héros, parce qu'il suffit d'un bon mensonge et d'un bain de sang pour changer le monde. Il est sur le point de réussir le plus grand mensonge jamais imaginé. Sa vérité prévaudra, mais seulement s'il survit et si nous mourons. Ils sont juste au coin, maille-toi! Monte sur le Zodiac! Faut que tu les sèmes!
armée, larguez en vitesse! T'es rapide! Accroche-toi, ça va secouer!
Soap. Soap. Ça ira bien pour l'instant. Allez, lève-toi. Je t'avais dit que c'était un aller simple, non? On dirait que ça l'est, en effet. Ça va être dur de leur échapper. Nikolai, il faut qu'on sorte somme d'ici. Je connais un endroit.